Bon temps de vous retrouver aujourd'hui sur Baldur's Gate 3 sur la PS5. On va découvrir le jeu sur la version DC, sur l'abonnement premium de PlayStation. On peut jouer moins de 2 heures, je crois, un truc comme ça. Bon, avec la création du personnage, si on prend vraiment son temps et tout, on pourrait peut-être jouer 30 minutes. Donc on va skip tout ce qui va arriver, hein. On va créer son personnage, sa classe et tout. En tout cas, j'espère que cette découverte vous plaira et j'espère qu'aussi je kifferai autant que vous sur cette vidéo. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai lancé le jeu. Est-ce que vous voulez des trucs de nudité sur le jeu? J'ai bien dit non, parce que je ne vais pas mettre oui. C'est sûr qu'il y aura des personnes qui auraient dit « Eh, cracotte, j'aurais bien voulu voir quelques trucs ». Non, malheureusement, en tant que créateur de contenu, nous ne pouvons pas vous montrer des choses. Par contre, vous achetez le jeu, vous pouvez vous rincer l'œil de votre propre côté. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, en tant que créateur de contenu, il faut éviter tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que ce jeu va me plaire énormément. Donc, nouvelle partie, on va jouer plutôt en mode explorateur, hein, espérance narratif, nanana. C'est moi de base, hein, je ne suis pas très, très branché en général des jeux comme ça de base. C'est très rare que dans ces styles de jeu que j'aime bien. Donc, on va voir que ça donne. Ah, c'était quand même beau, hein, graphiquement. Alors, les didacticiels peuvent vous aider à mieux comprendre les mécanismes de jeu. Ah bon, oui. Je veux bien. Waouh. Franchement, sur le côté graphisme, on peut rien dire. C'est super beau. C'est même très très beau. Alors, on va créer son personnage. Donc, là tout ça, on va éviter de vous montrer la création. Donc là, on va vous montrer vite fait, on va dire. Donc là, ça c'est les origines, on peut personnaliser, ou alors on peut prendre directement quelqu'un, c'est ça? Non, ça c'est les origines, d'accord. Ça c'est les origines. Donc on peut prendre quelqu'un qui a déjà... Ok, d'accord. Ou alors on peut le faire nous-mêmes, si on va par là. On fait personnaliser, on choisit la corpulence, l'identité, soit on fait un homme, non-binaire, autre, etc. Donc là... un homme. Donc là, j'ai mis homme, mais c'est plutôt une femme, là. Hein. Bon, bref. Ok, pourquoi pas. Alors, femme, ok. Race. On a les elfes, ok, les humains, les nains, les demi-elfes, les gnomes, les demi-orcs. Il y a vraiment le choix, quand même. Hein. En classe, on a quoi? Roublard, ensorceleur, oculiste, magicien, barbare, barde. Clair, druide, guerrier, moine, paladin, rôdeur. Alors, il vous faut un ange gardien, faites votre choix. Donc on va faire un ange plutôt random. Voilà, on va prendre ça. Et on part à l'aventure hein, tout de suite.
Alors ça, c'est notre personnage. Donc ça, c'est le personnage que j'ai fait vite fait. Hein. Donc c'est le druide. Et puis j'ai pris un nom fait. Hein. J'ai pas mis Cracotte et tout. Donc là, on se déplace vraiment nous-mêmes. Franchement, c'est bien stylé. Hein. Déjà, j'aime bien. Donc là, on va voir les vues. Donc avec le joystick droit, j'oriente vers le bas du coup tout en haut. Donc un peu comme Diablo. Comme hack and slash. Comme Diablo, un hein, Diablo-like. Ou alors, on peut vraiment jouer en vue comme ça. Hein. Franchement, bien stylé. Hein. Eh ben, allez, hein. On va jouer comme ça. Pas mal, hein. Alors, action R1. Oh là là, il y a pas mal de sorts, hein, j'avoue. Alors, ouvrir. Donc, je suis un humain druide. Alors ensemble, nous avons une chance de survivre. Il faut découvrir où nous nous trouvons. Que proposez-vous alors ? Waouh, des ennemis à attaquer là ? Waouh, ils sont trop beaux. Franchement, graphiquement, j'aime trop. Combat didacticiel général. Préparez-vous à vous battre. Le combat se déroule par round. Chaque participant agisse à tour de rôle. Voilà, tour par tour, quoi. Le jeu se met sur pause lorsque c'est à vous de jouer. D'accord. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc, là, main principale. Ouvrir le L1. En fait, là, je peux vraiment choisir ce que je veux. Hein, si je veux. D'accord. Donc là, vous maîtrisez toutes les compétences liées à la caractéristique choisie. Second souffle, guérison. Donc là, on va éviter. Hein. On va faire la guérison, on s'en fiche. D'accord. Et comment je fais pour activer mes sorts, là? J'avais pas des sorts. Main principale, attaque à distance. Savoir astral. Non, c'est pas ça. Je sais pas, j'ai pris un truc au début, là, de game, mais je sais pas où on les voit. Action, ils me disent. Personnalisation du menu radial, hein, carré. Non, c'est pas ça. Hein. Bon, bref. Attaque à distance, au pire. Allez, 95%. Mettre à fin votre tour. Quand vous avez fini d'agir et de vous dépasser, appuyez sur la touche fin de tour. Non, mais ok. En fait, je peux refaire encore une action bonus. Non ? Ressources insuffisantes d'action. Ah oui, j'ai plus de points. Par contre, je pense que je peux me déplacer sur un par là. Donc là, je fais L2. Non, je fais triangle, pardon. Ok, donc là maintenant, je joue avec elle. Main principale. Voilà. Et ça, c'est mon personnage. Ah voilà. En fait, le voilà mon personnage. En fait, je cherchais tout à l'heure les compétences, mais en fait, c'était normal. Je jouais pas avec le bon personnage, j'ai pas fait attention. Le v'là mon personnage, en fait, qui est ici. D'accord. Voilà. Par contre, je peux pas rejouer, là. Hein. On a déjà fait un action... Ah, si, on a un action bonus. Mais action bonus, du coup, on peut pas l'utiliser, alors. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, alors, sur les actions bonus ?
sauter, bousculer, plonger. On peut bousculer, c'est ça les actions bonus? Peut-être en fait alors. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Allez, fin de tour. Ok, un dégât en moins. Bon, ça va, ils font pas très très mal au début. Ok, donc lui. Attaque à distance. Maintenant, on va jouer avec lui. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire fouet épineux. Fouet épineux, je veux faire. Voilà. Ouais, excellent, franchement, ça a fait mal. Ça fait grave mal, là. Ok, on va se mettre là-bas. Et fin de tour. L'autre façon, il va arriver, là. Alors, R1, on va prendre l'arme principale. Ok, là, il est mort. Fin de tour. Et voilà. Du coup, il est mort. On peut fouiller, on a débloqué arbalète légère. On va tout prendre. On se retrouve sur Baldur's Gate 3 pour vous dire en même temps que j'ai une chaîne secondaire pour les personnes qui savent pas, pour vous proposer tout simplement des lives sur la chaîne secondaire de YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En ce moment, je fais un petit peu de DBD. Donc, si vous voulez passer nous faire un petit coucou, sur les lives, ça pourrait être vraiment sympa. Généralement, les lives à partir de 22h, quand j'ai un trou, ou sinon, il n'y a pas forcément d'heure exacte. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur Discord, et sur les réseaux, hein, comme sur Facebook, et sur Twitter. Mais ce jeu, je le prendrai peut-être si, admettons, je le fais en coopératif avec mon ami Jérôme. Hein ? Je pense que quand tu vas passer par là, on verra bien si un jour on le fait. En tout cas, en février, on fera Helldiver. Sur la PS5, sur la chaîne secondaire en live. On fera une découverte bien sûr sur la chaîne principale. Et on fera tout le reste du jeu sur la chaîne secondaire. Donc voilà, s'il y a des jeux qui pourraient peut-être vous intéresser, on fera ça sur les lives. Allez, c'est parti, on continue. Alors ça c'est quoi ça? Hein, mais il est mort lui, non? L'homme n'est pas mort, mais il est complètement amorphe. Oh, ok. Ah oui, ils sont un peu sonnés en fait. C'est bien fait, hein. C'est vraiment bien fait. Ok, j'ai touché. La frapper ou vous en allez? Bon, vas-y, je le frappe, moi. Allez, un petit coup de pied dedans, là. Peut-être là, non? Sortez-moi de cette saleté. Vous n'avez pas le temps à perdre avec les traînards. Chercher un mécanisme permettant d'ouvrir le caisson. Le temps presse, je dois filer d'ici. Soit on peut les aider, soit on peut se barrer en fait. Ah ok, mais si, on va les aider. La construction est trop alien. Rien ne semble familier. This ship is crashing. Le vaisseau va s'écraser. Vous voulez mourir? Vraiment stylé, franchement j'aime bien le côté narratif là. Le caisson est coincé, je peux pas vous libérer. Je vais jeter un œil, ok. Dans les coins là. Faites vite, je vous en prie. Ok. On va essayer quand même de les aider quand même. On va pas partir comme ça. Ça se fait pas. Allez, on ramasse ça. Ça c'était verrouillé. Je sais pas ce qu'il faut pour... D'accord, ok. Le cerveau en bocal. Utilisé. Étrange. Plusieurs cerveaux sont pris au piège dans cet appareil. Utilisé. Fonctionne pas.
Ah, j'aurais peut-être pas dû le péter le truc. Ok, ça en a fait 100. Restauration. Pour récupérer des points de vie. D'accord. Alors, on a quoi là-dessus là ? On a les symboles. Pousser, pousser. Engager le combat. Non ! C'est des traîtres ? Des cultistes sacrifiés. Oh bah d'accord, ok. Il manquait plus que ça. Là, je peux pas aller jusqu'à là-bas. On va prendre l'arc à distance. Ah d'accord, ok, raté. Alors, airain, on va faire fouet épineux dessus, 90%. Waouh, ça l'a pas one shot. 80% de chance de le toucher. Ok, il est mort. GG, on a récupéré 10 points de compétences. 10 points d'expérience, pardon. La cuve. Il fallait péter la cuve, hein, je pense. Ok, donc là, je le retouche. Le frapper, ça fait quelque chose, non? Ok, ça fait rien du tout. Gardez votre calme. J'aurais bien le moyen de vous faire sortir. Non, je me suis barré en fait. Mais non, je veux pas me barrer. Il y a un truc à faire pour les aider. Donc ici là. Ils sont déjà morts. Hein. Arcane raté. A raté un test. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il y a un truc à faire là. Un symbole. Pas moyen de déchiffrer ce truc. Ouais, bon, en fait, je sais pas trop. Hein. Je sais pas comment ça marche. Je peux pas vous libérer. Mais j'aurais bien voulu l'aider, mais le problème c'est que j'arrive pas à trouver le mécanisme. Ouais, franchement, je sais pas. Peut-être qu'il faut sortir de là. Ah, il y a tellement de plusieurs passages, là. On va récupérer de la vie, tiens. Ouais, vas-y, bon. Ouais, c'est pas grave, hein. On va la laisser mourir, l'autre. Hein. Je sais vraiment pas ce qu'il fallait faire. Sauvegarde automatique.
presence of the Transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Ok, donc ça c'est notre tour de jouer. Alors, on va les tuer eux, 90%, 70%, donc 90%. Ok, lui il est mort. Au moins ça c'est fait. Ah, que 75% à rater. On joue avec lui ? Ouais, cool. Ah non, ça se fait automatique. Alors, potion de soin. Il ne vous reste plus beaucoup de points de vie. Buvez une potion de soin pour aller mieux. J'ai plus beaucoup de vie ? D'accord. Donc, une potion. Ils sont où les potions ? Soin de blessure. Mais j'ai pas de potion là. Enfin, je sais pas trop où c'est. Au pire, je peux prendre ça pour récupérer de la vie. Hein. Par contre, ça m'a enlevé une action. Par contre, ça m'a pas enlevé une action de bonus. Et une action de bonus, je peux utiliser des trucs. Hein. Sauter, plonger et bousculer. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. On va prendre la main principale ou alors il y a ça. Vous maîtrisez toutes les compétences liées à la caractéristique. Choisis. Savoir astral. Ah non, ça c'est pas ça. Ok. Coup de pommeau. Attaque, applique l'état EBT, 2 tours, dégâts. Ok, on peut peut-être mettre ça. Et il me reste une action. Ah, en fait, on fait 2 fois, ok, d'accord. Allez, on peut fouiller. Ok, il avait rien du tout. Ok, raté. Allez, c'est à mon tour de jouer. On peut pas aller jusqu'à là-bas. Ok, on va se mettre là. Une attaque à distance, on peut pas utiliser nous ? Non. Alors, libère une vague de force qui repousse toutes les créatures et les objets. Ça, on peut peut-être l'utiliser, ça, non ? Concentration. Ok, ça c'est fait. Maintenant c'est à elle de jouer, donc on va aller là. Est-ce qu'on peut jouer à distance? Ouais, je pense pas qu'on peut toucher de là-bas là. Ah si, 95. Oh, one shot. Ok, lui il a été étourdi, c'est le moment d'en profiter. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire résistance, renverser. Emplacement de sort, en tout cas, on ne peut pas utiliser, là. Le fouet, pareil. Hein. Défense élevée. Ah, je me suis trompé. J'ai fait fin de tour. Hein. Quel boulet, va. Quel boulet. Second souffle. Peut-être que j'aurais pas forcément eu besoin de le faire. Hein. Ok, raté. On est à 35%. Est-ce que fouet épineux, du coup, on peut toucher là? Non, on n'arrive pas à toucher. Au pire, je vais avancer un peu plus. Je vais mettre là, tiens. Là, peut-être qu'on va pouvoir toucher là. Ouais. Par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. On va essayer de jouer au corps à corps.
Est-ce qu'on peut utiliser lacération? Ou un coup d'hémorragie, on va lui mettre à lui. Un coup d'hémorragie. Oh, raté, hein. Ouais. Raté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être le bousculer. Ok. Fin de tour. Eh ben, il est mort. Un débloqué, un trophée. Un combat des plus diaboliques. Trophée obtenu. Ah, mais il faut tuer lui aussi. Il faut qu'on le tue lui aussi. Ah, d'accord. Moi, je pensais qu'on n'allait pas le tuer, lui. Bon. Eh ben, on le tue. On n'en parle plus. Allez. Tiens, mange ça. Mange mon fouet. Hop. Fin de tour. Qu'est-ce qu'on peut utiliser sur lui? Attaque agressif. Donc, applique l'état déséquilibré. Deux tours, dégâts entre 4 et 7. Vous chargez vers l'avant en attaquant le premier ennemi sur votre passage, ce qui a une chance de le déséquilibrer. Assomme la cible au lieu de la tuer. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tire dans la cuisse. Ouais, non, ça, c'est pas très intéressant. On va faire plutôt ça, ouais. Ça peut être pas mal. Par contre, on a raté. Donc au final, ça sert pas à grand chose que ce que je viens de faire. Atteignez le transpondeur avant que le nautiloïde ne s'écrase. 9 tours restants. Ok. Donc là, il faut limite le tuer. Et limite, après, on peut peut-être se barrer. Hein. Non, je pense qu'il faut le tuer. Ouais, je pense qu'il faut le tuer. On n'a pas le choix, de toute façon. Il reste 8 tours après. Oh! Si un membre de votre groupe tombe avec 0 points de vie, il se retrouve à l'agonie. Dans cet état, il oscille entre la vie et la mort. Il doit effectuer un jet de sauvegarde pour survivre à chaque tour. Au bout de 3 succès, son état se stabilise. Et à l'inverse, au bout de 3 échecs, il meurt. Ah ouais, non mais... J'aurais dû peut-être me barrer, hein, non? Au pire, je peux le réa, hein, peut-être. J'ai pas une compétence pour réa, moi, déjà? Non. J'ai plus de sort. Ah bah bravo. Bon, on va essayer de le tuer. Prochain coup, on le tue. Oh, aïe, 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 aïe. Non mais il se passe quoi là? Il y en a d'autres qui arrivent. Come a little closer. Ah oui, il y en a d'autres qui arrivent là. Bah là je pense qu'on peut le tuer là. Non, je me suis trompé, à chaque fois je me trompe, j'ai appuyé triangle. N'importe quoi. Ah bah alors là. Faut pas que je me trompe là. Oh, puis c'est raté. Oh bah vas-y, je m'en vais direct. Hein. Allez hop. Moi je me casse. Hein. Allez hop. Ah bah. Votre groupe a été vaincu. Franchement, je suis très noob dans ces styles de jeu. C'est la première fois que je joue dans ces styles de jeu. Un peu. Je suis pas très très bon, je vous avoue. Il faudrait vraiment que je m'entraîne au maximum sur le jeu. En tout cas, c'était vraiment une petite découverte pour voir déjà si le jeu m'aurait intéressé. Et bah, au final, je vous avoue que le jeu m'intéresse énormément. Alors c'est sûr, un let's play sur la chaîne YouTube serait pas forcément envisageable parce que, comme vous avez vu, mon niveau de jeu, je suis tellement bon, ça prendrait des heures pour avancer. Mais pourquoi pas plus tard, pourquoi pas faire des lives sur Baldur's Gate si un jour je le prends. Peut-être pas tout de suite, mais si un jour je l'achète, pourquoi pas de vous faire peut-être des lives sur Baldur's Gate. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure de découverte sur la chaîne YouTube, voire de Let's Play. Sur ce, portez-vous bien et j'espère qu'en tout cas cette découverte vous a plu et peut-être même fait rire. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao à tous.